Bonsoir, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, recevez nos salutations fraternelles dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes encore là au rendez-vous pour échanger sur notre émission Éco-Pasteur, Éco-Épouse de Pasteur. Ce soir, nous allons vous livrer le témoignage d'un grand homme de Dieu que vous connaissez presque tous, que j'ai nommé le révérend pasteur Jakuti Mitré, président de l'Église Assemblée de Dieu du Togo. Point n'est encore question de vous réitérer la fin de son mandat à la présidence, les élections passées. Il a rendu le témoin à son fils, le pasteur Adade Aïe, et tout son comité. Hier était la journée spéciale de passation de service au siège de l'Église Assemblée de Dieu du Togo. Et demain, ce sera l'investiture ou le culte de reconnaissance au président sortant. Alors ce soir, nous avons choisi de parler d'un thème au sein de la famille pastorale Jakuti et Mitré et Hélène Jakuti. Dans quelques instants, vous allez suivre leurs impressions sur cet événement. Alors ce soir, nous avons choisi pour thème la joie d'une fin glorieuse. Pourquoi ce thème? L'homme de Dieu que nous avons connu au nom de Jakuti Mitré a fait ses preuves pendant 37 ans à la tête de l'Église Assemblée de Dieu du Togo. Et il a eu le témoin de son mentor, le révérend Pascal Obila, qui a dirigé dès 1965 déjà l'église togolaise et l'église dahoméenne, aujourd'hui béninoise. Alors, pendant son parcours, il a eu des hauts et des bas. Dans cette émission, le révérend Jakuti Mitré nous livrera ses impressions par rapport à ses vœux, ses souhaits de l'église de demain. D'abord, il va s'attarder à nous dire les forces et les faiblesses de tout son parcours. Il dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Il va dédier toute la force qui lui a permis de parcourir 37 années à la tête de l'Église au Seigneur. Encore soucieux des lendemains, de l'Église fera ses vœux. Pour le président sortant, il voudra voir cette Église prospère, en l'encourageant à toujours œuvrer pour la mission et surtout les œuvres sociales. Il voudrait également une Église toujours pentecôtiste, où le flambeau de l'Esprit, la flamme du Saint-Esprit ne s'éteindra guère. Également, c'est l'occasion pour son épouse, Hélène Jakuti, qui a œuvré comme compagne de travail et épouse fidèle, conseillère aux côtés de son mari, de nous dire un mot. Alors, vous allez les découvrir quelques instants dans cette émission. Soyez richement bénis. C'est vrai, comme vous nous le dites, je rends grâce à Dieu. L'honneur, la gloire revient à Dieu. Si vraiment l'Église que nous voyons aujourd'hui, l'Église Assemblée de Dieu qui est en marche, est au point où nous sommes, c'est qu'il y a eu vraiment des hommes et des femmes qui se sont engagés, qui ont compris que si on est sauvé, il faut travailler pour le royaume de Dieu. Avec une franche et bonne collaboration
voici là où nous sommes. Et avant le retour de Jésus-Christ, nous croyons qu'il y aura de pas géants, encore de pas vraiment que le Seigneur va opérer au sein de cette Église. Effectivement, à la tête de cette Église depuis 1987, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu parce que, en ce temps, on pouvait compter du doigt les pasteurs que nous étions. On pouvait compter du doigt les églises, c'est-à-dire les lieux de culte. On n'avait même pas l'Institut biblique pour former nos pasteurs. Nous sommes les derniers qui ont été formés au Bénin dans Méandalore. Et c'est en 1976 que, par la grâce de Dieu, nous avons ouvert notre Institut biblique Sada à Takpamé. Voilà ce qui a permis que nous puissions vraiment embraser tout le pays, parce qu'on n'avait pas de pasteur. On n'avait pas de pasteur. Nos pasteurs, avant l'ouverture de notre institut public, ne dépassaient pas les 100. Non. Quand on se réunait, on savait ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, nous dépassons vraiment les 1600 et quelques pasteurs. Grâce vraiment à l'Institut biblique, et nous n'avons pas une seulement. Aujourd'hui, nous avons deux instituts bibliques où nous formons nos pasteurs. Et nous bénissons le Seigneur pour les lieux de culte qui aussi dépassent vraiment les 2000 lieux de culte. Et les membres qui dépassent les 2 millions et quelques. Vous voyez tous les 200 et quelques. Vous voyez, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a fait que vraiment tout ceci s'est multiplié. Mes chers, moi je ne fais que remercier le Seigneur, glorifier le Seigneur, honorer le Seigneur, parce que c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout fait. Vous voyez, c'est lui qui a tout fait. Et je demande davantage qu'il y ait une bonne collaboration pour l'équipe, pour cette équipe qui vient de voir le jour. Et en leur sein, qu'il y ait vraiment la collaboration, l'obéissance, la soumission, surtout le respect l'un et l'autre. Le Saint-Esprit va travailler. C'est là que le Saint-Esprit œuvre. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris. Aucun maître, aucun serviteur, pardon, n'est plus grand que son maître. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré le chemin de l'humilité, de l'obéissance. Et c'est ça qu'il a pris. Il est monté jusqu'à la croix. Il est descendu. Et il a aujourd'hui un nom qu'aucune personne dans ce monde ne peut porter. C'est le chemin de l'obéissance et de l'humilité. J'exhorte et j'encourage que vraiment les pasteurs et cette nouvelle équipe comprennent que l'humilité n'est pas une faiblesse. Non. L'obéissance n'est pas un manquement non plus. Non. Mais ça fait partie de notre ministère. C'est ça même la preuve que nous sommes des serviteurs de Dieu. Et écoutez tout le monde dans l'humilité, sans distinction, sans parti pris. Il faut écouter tout le monde et prier. Écouter tout le monde n'est pas dit que je peux résoudre tous les problèmes. Mais écouter veut dire, je veux prier. Parce que nous avons un Dieu qui exauce et qui répond à nos prières. Donc je les encourage d'écouter et de prier. Je sais qu'ils n'auront pas toutes les solutions. Mais avec la prière, ils vont trouver la solution. Moïse, quand le peuple criait, prenez l'exemple en face de la mer Rouge et les Égyptiens derrière. Moïse, il a tourné ses regards vers Dieu. Toutes les revendications que le peuple d'Israël lançait contre lui, il ne s'est pas accompli, il ne s'est pas plaint. Et quand il a tourné vers le Seigneur, il a trouvé la solution. Oui, il a trouvé la solution. Même chose. Je demande à ses serviteurs
vraiment d'être à l'écoute, quelle qu'en soit la hauteur, la largeur, la profondeur des problèmes, qu'ils fixent leur regard vers le Seigneur qui a la solution pour eux. Voilà ce que moi j'ai à dire, l'obéissance, l'humilité, l'écoute l'un et l'autre. Le Seigneur Jésus, avec ses disciples, arrive à un lieu, la foule fatiguée, affamée, il se posait la question. Les disciples même ont dit à Jésus, renvoyons-les, car c'est un lieu désert, pas de marché, il n'y a rien. Et Jésus leur a dit, non, donnez-les vous-même à manger. Et je crois que déjà, c'est un ministère holistique que le Seigneur est en train vraiment, et il a enseigné à son Église. Nous avons vraiment des œuvres sociales. Et j'encourage que ces œuvres sociales continuent. Les écoles, les centres de santé, que cette équipe puisse se réveiller et faire davantage. Pour ce qui concerne les besoins individuels, les nécessités, c'est le devoir de l'Église. Mais, comme la parole de Dieu nous demande, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. On ne te demandera jamais au-delà de ce que tu n'en as pas. Mais qu'il fasse preuve de compassion, de miséricorde. C'est ce que je dis. Il y a certaines personnes, même si tu ne leur donnes rien, mais l'accueil résout leurs problèmes. L'accueil apaise leur situation. Un bon accueil, un bon sourire, très calmement, ça résout leurs problèmes. Et là, il peut prier même avec eux. Et mais, comme je l'ai dit, ce qu'ils annoncent, c'est ça qu'ils peuvent le faire. Il n'est pas donné à tout le monde, je suis d'accord. Mais comme je dis, l'accueil, le sourire, ça aide beaucoup de personnes. Ça les soulage. Et j'encourage vraiment de continuer dans ce domaine, surtout les œuvres sociales, que nous puissions bien élargir cela dans toutes nos églises, dans les églises locales même. Dans les églises locales même. Que chaque église s'efforce à intensifier vraiment ses œuvres sociales. Ça fait partie du ministère. J'étais en prison, tu m'as visité. J'étais nu, tu m'as habillé. J'étais à l'hôpital, tu m'as visité. Voilà ce que vraiment les pasteurs et les églises locales doivent comprendre. Allez-y par le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Commencez par notre Jérusalem jusqu'aux extrêmes de la terre. Nous n'allons pas attendre finir notre Jérusalem avant d'aller en Judée, en Samarie et jusqu'aux fins du monde. Non. Parce que vous croyez ici, vous savez, cette Église, même l'origine de cette Église, des assemblées de Dieu, après la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit à Los Angeles, sur le street de Souza, ils n'ont pas dit, bon, on va fonder d'abord nos églises. Mais en même temps, ils ont reçu, allons-y dans le monde entier pour prêcher la parole de Dieu. Et ils sont partis, ils sont venus en Afrique ici. Beaucoup de missionnaires ont perdu leur vie en Afrique à cause de l'Évangile. L'Église aujourd'hui, l'Église assemblée de Dieu, je les interpelle. La mission doit être la priorité des priorités. La mission intérieure comme extérieure. Et qu'ils puissent se mobiliser, mobiliser les membres, mobiliser les églises vraiment locales à la mission. Une église missionnaire est bénie. Si nous voulons que cette église assemblée du Togo ici prospère, il faut que nous puissions tout faire pour aimer la mission. Vous savez, nos doigts ne sont pas vraiment égaux. Donc nous avons des pays, des églises à l'intérieur qui en ont besoin de nous. Oui, que ces églises nanties puissent penser à ces églises à l'intérieur. Ne serait-ce que vraiment acheter les terrains pour eux, couvrir des chapelles pour eux. Il faut relever les défis. Que les pasteurs, que nous puissions, nous, laisser notre part et voir de loin. Ça va aider l'Église. C'est beaucoup pour vraiment une bénédiction pour celui qui pense
à la mission. Donc j'encourage à l'équipe et à toutes les églises locales, aux pasteurs, de tout faire. Vous savez, nous pensons que vraiment, la pastorale, c'est un lieu de luxe. Non, Dieu bénit, effectivement, il bénit. Mais nous devons faire attention de ne pas vraiment nous-mêmes nous bénir pour dire que c'est Dieu qui bénit. Parce que ça, le Seigneur n'est pas dedans. Il faut que nous puissions apprendre comment le Seigneur bénit. Dépouiller les églises sans vraiment voir, sans lever les yeux pour voir la moisson, moi je ne pense pas que ça c'est une bénédiction. Permettez-moi, je m'excuse, ça c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme et ça ne va nulle part. La Bible nous a promis qu'il y a une grande bénédiction qui nous attend. Travaillons. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais ici. Et dans son royaume, tu as une grande bénédiction qui t'attend. Voilà les mots que je laisse vraiment à cette nouvelle équipe. D'encourager les églises locales aux pasteurs. De lever les yeux et voir la moisson intérieure et l'extérieure. Envoyer les missionnaires. Que les églises, les membres se mobilisent pour soutenir la mission intérieure et extérieure. C'est ça qui fait l'église une église forte. Et avoir une bonne relation aussi à côté de l'État. Une bonne relation, une bonne réputation, surtout, c'est très très important. C'est ça qui fait la fierté et c'est ça qui fait le renom de l'église. Je me suis déchargé de la responsabilité président, en tout cas, disons, responsable à la tête de l'Assemblée du Togo. Pour ce qui concerne la retraite, je peux le dire comme ça, on m'a demandé de rester et peut-être jusqu'à l'année prochaine, je vais me décharger aussi de l'église locale et ça sera la retraite. Pour le moment, je me suis retiré seulement de la tête de l'Église Assemblée de Dieu. La retraite arrive. Ce n'est pas la faiblesse, ce n'est pas le doux. Les années passées, je ne veux plus revenir là-dessus. Vous savez, il y a l'esprit, mais il y a la chair. Il y avait certaines situations qu'on ne peut plus revenir là-dessus. Vous savez, la persécution intérieure est plus forte que la persécution extérieure. Ce que je subissais, c'est moi seul qui le sais et je ne peux même pas le partager à d'autres. Est-ce qu'ils vont comprendre? Ils ne pouvaient jamais le comprendre. Et il y avait des moments, comme tu le dis, des tentatives de me retirer parce que je me voyais que, mais quoi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mérite tout ça là? Et ça vient des frères, et ça vient des sœurs. J'ai dit, mais est-ce que je mérite tout ça là? Voilà pourquoi parfois il y avait cette tentative. C'était des persécutions vraiment intenses. Et c'est moi seul qui connaissais. Parfois, je passais des nuits blanches pour réfléchir. Je posais même la question à Dieu. Pourquoi? Est-ce que ça vaut la peine? Je peux me retirer. Peut-être que quelqu'un ferait mieux. Mais des fois, ce qui m'étonnait, sans même dire quoi que ce soit, je me lève le matin, quelqu'un vient et dit, « Ah, le Seigneur m'a envoyé. Tu as l'intention de ceci. Tu as l'intention de cela. Ne le fais pas. » Je n'ai pas partagé ça aux gens. Je n'ai pas partagé. Alors, ça, c'était des... comme je dis, la chair était là, c'était des découragements à cause de certaines persécutions, certains coups bas, certaines lettres anonymes, certaines situations même difficiles qu'on ne peut pas exprimer maintenant. Mais nous rendons grâce à Dieu que j'ai traversé et je suis là où je suis. Maintenant, c'est avec joie. Le temps est arrivé de passer aussi le flambeau aux autres. C'est avec joie et avec fierté que je me retire la tête pour que cette nouvelle équipe aussi continue. Pour que la flamme continue, il faut que chaque pasteur, chaque chrétien puisse se mobiliser et garder ce flambeau. Ça, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Ce n'est pas l'affaire du président seul, ni du secrétaire, ni du membre du bureau.
Mais ça, je convie tous les membres de nos assemblées, de nos églises, à se mobiliser et garder ce flambeau dans la fidélité, dans l'intégrité et surtout dans la prière et dans l'étude biblique. Gardez la saine doctrine, parce qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez tout ce qui se passe. L'Église doit faire attention, parce que aujourd'hui, ce n'est pas tout évangile vraiment qu'il faut écouter, avaler, mais que nos assemblées et que nos membres fassent la différence, que nos pasteurs puissent conduire ce troupeau vraiment à la bonne bergerie, dans l'étude biblique, dans la prière. Quand on parle vraiment de ce ministère de prospérité, écoutez, on ne s'oppose pas, on sait que sans argent, l'Évangile ne peut pas marcher. Ça va de pair, mais si l'on prend l'autre déçu, c'est ça le problème. Donc pour la Pentecôte, nous devons savoir que nous sommes une église pentecôtiste et on doit garder que nos églises, dans les prières, dans les veillées, ils cherchent la présence du Saint-Esprit. Que chaque année, il y ait vraiment un grand nombre qui est baptisé. Que chaque réunion d'une église, qu'il y ait des conversions et qu'il y ait aussi des membres qui sont remplis du Saint-Esprit. Voilà l'Église pentecôtiste. Et elle doit être en marche. Et c'est là mon souhait. J'exhorte que cela soit ainsi jusqu'au retour de Jésus-Christ. On a cheminé ensemble pendant un bon moment. Alors, il est temps de se reposer. Et vous savez que tout travail mérite un bon repos. Et je pense bien que pendant tout ce nombre d'années qu'il a travaillé, il mérite bien de se reposer. Et voilà pourquoi nous sommes dans la joie, d'ailleurs. C'est une joie pour moi, sincèrement, et qu'il se repose et que d'autres personnes prennent la relève. Parce que c'est une continuité. L'Église, ce n'est pas une activité personnelle ou comme les commerçants ou d'autres personnes qui doivent travailler à vie. Alors, c'est vrai que l'Église aussi, on travaille à vie. Mais il faut quand même laisser la place à d'autres personnes pour continuer le travail et s'asseoir maintenant pour être des conseillers. S'il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas résoudre, ils peuvent aller vers leur père, qui est un guide, et s'enquérir des connaissances qu'il a, parce qu'on a dit que c'est un bobo en fait, ou bien une bibliothèque, que certains aiment dire. Alors, quand il y a une bibliothèque à côté, il faut aller se ressourcer et pouvoir continuer l'œuvre. Donc, nous sommes contents de laisser la place à cette génération pour continuer l'œuvre. Pour les jeunes femmes, je leur dirais de soutenir leur mari, quoi que soit la tempête ou bien les épreuves, on doit toujours soutenir, parce que nous savons que ce n'est pas facile l'œuvre. Il y a des flèches, il y a du tout, mais bon, il faut être courageuse pour soutenir l'œuvre jusqu'au bout, parce que quand Dieu appelle, il accompagne. Et comme il accompagne, il faut le servir jusqu'à ce que lui dise à mon serviteur, maintenant, c'en est assez, passe le bâton à un autre. Nous n'avons pas été les premiers dans la Bible. Moïse a cédé le bâton. Et donc, ça va être comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, beaucoup de courage aux jeunes femmes pour pouvoir soutenir leur mari dans l'œuvre. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Il y en a qui désertent. Quand on voit même, des fois, affectation seulement, on se plaint, on ne veut pas se déplacer, on veut rester à la même place. Et pourtant, ça ne doit pas être ainsi. Ça ne doit pas être ainsi. Il faut accepter. Il faut accepter de céder la place à d'autres personnes et aller travailler ailleurs. Peut-être que là-bas, on a besoin de toi mieux que là où tu te trouves. Pour l'Église, pour le moment, je pense bien qu'il va continuer un temps donné avant de prendre carrément la retraite. Parce que, comme je venais de le dire,
il y a un point de départ pour toutes choses et il y a un point aussi de fin pour toutes choses. Donc quand la fin arrive, c'est ça. Vous voyez, l'âge même est là. L'âge est là et puis il y a la fatigue, il y a tout. Alors on ressent. Donc il faut qu'un jour aussi l'Église, on puisse laisser pour carrément se reposer. Pour les jeunes, je leur souhaite bon vent. Ils sont encore jeunes et pleins de force. Les jeunes ont la force pour travailler, qu'ils ne s'asseyent pas. Tout ce qu'ils trouvent à faire, que chacun puisse le faire avec joie, avec persévérance, avec fidélité, avec amour. Pour l'Église, alors tous ceux qui ont encore à faire, que ce soit les pasteurs, que ce soit le nouveau bureau, que ce soit les membres, chacun doit mettre la main dans la pâte. Ça serait bien que l'Église continue et dans le bon sens, qu'on n'entende pas un jour que l'Église a dégringolé. Non. Il faut que l'Église aille de l'avant. Notre souhait même, c'est que l'Église aille de l'avant. Parce que la maison de Dieu, il ne faut pas s'amuser avec. La maison de Dieu, il ne faut pas la prendre à la légère. La maison de Dieu, on doit aller toujours de l'avant. Donc si réellement demain, on entendait de bruit, de ceci ou de cela, qui n'honore pas l'Église, ça va nous donner de la peine. Ça va nous donner, moi particulièrement, ça va me donner de la peine. Ce que je désire, c'est d'entendre que l'Église progresse, que les membres s'augmentent et que leur vie spirituelle grandit. C'est ce que je souhaite à l'Église et à ceux qui vont continuer l'œuvre. Comme nous vous le disions tantôt, le président sortant, Djakou Dimitri, est un homme généreux, un homme qui aime tout le monde, un homme impartial, doué d'une libéralité permanente, sans demander la contrepartie. Il disait, lors des investigations pour écrire un ouvrage de son vivant, ceci, je donne et à peine donné, quelques heures après, quelqu'un me frappe à la porte en disant je te donne ceci. Il va dire j'ai expérimenté cela plusieurs fois, c'est pourquoi je ne cesserai jamais de donner. Ce sens de l'évangile holistique lui est né et il a hérité cela, selon ses dires, de ses parents, de sa grand-mère, de sa mère et de son père, qui était prêt à donner tout lorsque quelqu'un leur demandait de l'aide. Le président sortant a toujours été cet homme de Dieu qui parcourait des kilomètres à pied et à vélo après pour partager la bonne nouvelle de l'Église et de l'Évangile. La bonne nouvelle de Christ, il le faisait parce qu'il avait le fardeau des âmes. Dans son parcours, il a toujours été celui-là qu'on peut appeler John Wesley du siècle. Il allait partout où besoin était pour apporter la paix, la lumière de l'Évangile de Dieu. Il fut aussi celui-là qui organisait des réveils, des veillées de prière pour redynamiser l'Église afin de pouvoir être enflammé par le feu
de l'Esprit, le Saint-Esprit. Des séances d'encouragement étaient données aux serviteurs de Dieu. Et chaque jour, pendant son mandat, des séances de recyclage et de séminaires aux épouses de pasteurs et aux pasteurs et aux laïcs étaient également organisées en vue d'augmenter le potentiel spirituel des serviteurs de Dieu. Il n'a pas été celui-là seul qui était président d'une nation, mais il a également franchi les frontières, le Togo et l'Afrique. Relation avec les institutions de la République. Il a également servi à la tête de la plus grande église pentecôtiste du Togo. Le révérend Mitré entretient de bonnes relations avec les institutions de la République. Nous osons le dire qu'il fut également un des conseillers des responsables politiques. Tâche qu'il a accomplie jusqu'à ce jour. Et les témoignages en parlent jusqu'au jour d'aujourd'hui pour sa franchise, son désintéressement, sa justice de vouloir servir son pays et apporter un plus dans les affaires de la cité. Le révérend Mitré livre ici des détails sur les relations qu'il tenait avec les différentes couches politiques. Il donne surtout des précisions sur toutes les intentions malveillantes prêtées à tort à l'institution qu'il dirige. Mes relations avec les autorités, le président Yadema, sont celles qu'un bon citoyen doit avoir avec son État. C'est ma position. Mon bon citoyen doit respecter l'autorité. La Bible dit de prier pour les autorités afin qu'elles soient dirigées par un bon esprit pour que nous puissions mener une vie paisible. Maintenant, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, Dieu saura agir. Le cœur des rois est dans ses mains. Il est souverain. Dieu connaît mes pensées. Il sait que je n'ai jamais mentionné ou cautionné plutôt le mal, d'où qu'il vienne, du pouvoir comme de l'opposition. J'ai toujours mené des démarches pour la paix, la justice et le développement. Alors, aujourd'hui, ce grand homme de Dieu quitte la direction de l'Église et demeure toujours un conseiller pour tout citoyen togolais et tout chrétien de toute dénomination confondue. Il était même le conseiller mondial de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo et des pasteurs, des serviteurs de Dieu d'autres obédiences venaient vers lui pour recevoir des conseils par rapport à la direction. Alors ce soir, découvrez le président Mitré dans ses communications au micro que nous l'avons tendu. Merci. Alors, nous vous disons merci et à plus tard, à vous qui êtes au parfum de ces conseils, prenez soin et mettez-y en pratique pour la prospérité de vos ministères et de votre travail. Et à l'équipe dirigeante nouvelle, l'homme de Dieu lui souhaite plein succès au nom de Jésus.